cigar belle boss. Tumbu tumbu boss, calava cigar belle bom 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 bom. Tumbu tumbu boss, calava cigar belle boss. Tumbu tumbu boss, calava. Hey, what's up, my people? My olivich.com people, you know what I mean? This is your homeboy, Stanley. Hey, 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 Cameroon's finest and best MC ever, baby. That's how it's going down. Café Camerounais, Dieu son français te représente. Motherland Empire, that's how we go. Yeah. So, y'a deux volets, you know. Soit tu. C'est un mec de la rue qui a beaucoup souffert, qui a Wakanovis mort. Parce que tout ça, c'est des gars qui font des vrais gros sons, qui restent des classiques, c'est des mecs qui viennent de quelque part, surtout dans le hip-hop, et de très loin. Soit tu restes chez toi, tu jeûnes 40 jours et 40 nuits, tu écris un texte, ça va marcher. Yeah. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai juste la chance d'avoir une grosse team qui bosse énormément. On a la chance de voyager. Mais pour moi, j'appelle pas ça succès parce que pour moi, le moment du succès ne m'en a même pas arrivé, mon frère. Je connais pas ce que c'est le succès. Je suis en train de chercher à réussir, mon frère. Tu vois, non? Donc, si. Voilà, je pense qu'on a la chance de voyager. Et voilà, on se part, on aime ce qu'on fait. Et voilà, j'espère qu'un jour je vais réussir, frère. Je vais devoir dire merci déjà aux gens de BAF, you know, because bringing an artist like me back from Cameroon is not an easy task, you know, so, but definitely I'm right here, so we're just kicking it down, like, oh my god, you know. Donc voilà, donc la soirée était costaud. J'ai vu même des watts s'aligner pour entrer, tu vois, c'était quelque chose de malade, d'émotionnel. La salle était jam-packed, full. On a chanté jusqu'au matin et puis voilà, on a préparé un show de près de 45. Donc c'était quelque chose de lourd, donc Dieu merci pour ça. Après on a fait le Kilimanjaro où j'ai eu la chance de rencontrer DJ Tarzan et DJ Athanas, des gens qui ont milité dur pour que RPS s'impose au niveau des clubs africains ici. Donc c'était une grosse grâce, une grosse joie, donc c'était la bénédiction de voir ceux-là même qui ont dit oui à ton oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est une grosse fierté jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc je ne garde que de belles souvenirs, mais maintenant, de beaux souvenirs. Je ne garde que de beaux souvenirs. Mais maintenant, je suis en train de préparer une autre date. Il y a en Allemagne, ce sera à Francfort, baby. You know what I mean? Ce sera avec mes fans d'Allemagne, mes amis de l'autre côté. Donc on va devoir faire un show encore 4 fois plus de mon ciel parce que à chaque jour qui. Et pour chaque jeu qui passe, on va ramener un truc de neuf. Et voilà quoi, donc je vais partir là-bas. Et je reviens samedi le 10 mai. Samedi le 10 mai pour un gros concert inédit. La toute première fois qu'un Camerounais va performer à la Cigale, c'est à Paris pour les Blancs, mon frère. C'est pas une histoire de stade ou quoi que ce soit, c'est la Cigale, frère. Donc on va faire un gros concert là-bas avec les boxeurs de Paris. Et puis voilà, Dieu merci, frère. Tumbu Boss, c'est la suite de Imper. Imper, c'est le gars du quad qui se bat pour pouvoir avoir de quoi quitter de Douala pour Yaoundé. Enfin, parfois, tu n'as même pas les autres, le VIP. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Imper, la bataille. Le Tumbu Boss, maintenant, c'est des avions, c'est pareil, mon frère. C'est pas la blague. Donc, c'est la suite de la souffrance. Et maintenant, c'est tout le gars, que yes, weekend. Et puis voilà, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a une grosse chance avec la haine, non pas la haine, avec la rage. On parvient à faire des choses pour au moins entretenir ce rêve que Dieu m'a donné de pouvoir passer à mes frères africains et camerounais. Donc voilà quoi. Donc c'est le single digestif. C'était même pas pour être crise, c'est pour digérer que ok, le gars quand même est déjà un peu loin. Donc voilà quoi. Celui qui va être derrière, my problem, nigga. Je viens de finir mon gros featuring avec Nayanda de Brick and Lace.
La fille de Larry's Wicked. En ce moment, elle est très amoureuse de moi. Je ne sais même pas. Donc, c'est quelque chose de lourd. Bon, il y a ce feat, il y a le prochain clip, Yaman Yamaka, regarde, on dirait le son que I can't FR, tu vois ce que je veux dire, c'est une autre chose. Bon, on va devoir faire ça avec mon frère Chamac. Et puis voilà, c'est l'album qui vient également, mais petit à petit, c'est single après single, l'album va venir à pas la classe déjà avant la fin d'année, si on a la chance d'être contacté par un major. Parce que j'avais dit, ça vaut pas la peine pour moi de sortir un album, ou mon album, qui pour moi est un gros travail, est un truc vraiment dosé sans une distribution véritable. Donc voilà, on espère qu'avec la qualité d'image qu'on impose au jour d'aujourd'hui, on va avoir des telles grosses personnes. Et maintenant, c'est les MC Garouette également, c'est joint à Durban, Gatari, je suis même beaucoup sur la mer, c'est un peu chaud. Hein. Je pense, à mon très humble avis, que maintenant on peut parler d'un game. Tu vois ce que je veux dire? On peut parler d'un vrai game parce que il y a un jeune homme de mon fait qui est ouvert la porte. Là, c'est incontesté. Donc, je pense qu'il y a un game, mais en termes de concurrence, tu vois pas avec qui je lutte dans les postes calaires, il n'y a personne. Au contraire, je suis le Messi, je suis venu leur ouvrir et leur ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, au jour d'aujourd'hui, il y a un rappeur qui parvient à faire des émissions comme Rap Chrétien avec Thierry Gongan, les émissions intellectuelles, le JT sur Africa 24, c'est pas la blague, mon frère. Tu me compares encore aux gens qui se battent à s'en sortir dans le rap? Non, je me compare avec personne, mon frère. Je les ai laissés au Moyen-Âge. J'avance. Il y a celui qui veut suivre, suit. Voilà quoi. Il y a un game dont il y a la place pour tout le monde. Pendant qu'il boxe encore en bas, moi je boxe à la cigale, mon frère. Bah si derrière il y a une grosse idée, on est à IPS et c'est ça que je prends. Faut te dire vraiment, frère, ça c'est même le carré que j'ai acheté. Parce que les carmoneux sont trop rapides. J'ai fait des t-shirts, ils ont sorti des faux t-shirts. Et puis voilà, ils sont allés faire des casquettes. Tu vois à quelle vitesse nos frères sont même méchants. On est tous frères, que vous m'appelez, vous dites mon frère, tu as fait un truc qui marche plutôt bien. Comment est-ce qu'on peut faire pour dealer? Moi j'ai la route pour la Chine, qu'est-ce qu'on fait? Mais je me lève encore, je me lève un matin, je suis en train de passer à Yaoundé. Tu vois, là, c'est moi que je vois aussi le Japon, on est à FS, ma Wanda. On dit, c'est jeudi, c'est combien on est 3500. Ok, précisément, bah non, en même temps, c'est bien. Mais je me suis dit, ok, si au jour d'aujourd'hui, on parvient à pirater la marque d'un petit Camerounais au même titre que les Watibi, c'est que c'est une autre chose. C'est ça que je félicite, j'ai pas voulu regarder l'autre côté. Donc voilà. The Modeling Empire, c'est Modeling Clothing, Modeling Pictures et Modeling Music qui sera en train de travailler sur mon album en ce moment. Et voilà, donc pour les vestimentaires, voilà, donc ça allait vite. C'est des gars qui piratent maintenant au Cameroun, je ne sais pas si vous avez vu. C'est maintenant les gens qui font les t-shirts avec mon visage piraté à 3000. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est déjà une grande légende. Tu vois qu'un artiste camerounais qui a l'effigie dans le vent, des choses qu'on voit chez Drake, Billy, tout ça, dans mon frère c'est une autre chose, la personne qui n'est pas content, qui l'a laissé prendre, c'est une autre chose. Bah ouais mon frère, moi j'ai une go mon père, j'ai une go, tu vois ma go, dis-lui que je go. Et en même temps, ma go, c'est ma zik, c'est mon album. Tu vois, c'est ça que je m'offre matin, midi, soir. Allege! Wake up in the morning, eyes up, pray to God, rise up, chew chew in stick, avoid mouthwash, they don't break, life's hope, yeah, man. Belle don't talk. Brrr. Mange to chop flop. Adam mano fufuye to cook chop. Men a better sofa. Enough to drink blood. Yeah. This place so na jungle. I don't come for what I'm going to yet to hustle. Yeah. Man, big trouble. Money brain don't they got a big muscles.
ain't got papers, not yet. Family back home waiting for the paycheck, cause I promised, once I fucking get here, we go chop kumba bread, no more blockade, nigga. Yeah.